ogni pedra nero fumo piano piano si è staccata. Per far piazza un altro lume, un'altra teglia disperata. E un chi mi so scaldato, qualche volta la soffiara, mi pare tanto peccato, che arriverebbe ancora più chiara. Chi fa, chi ci si può fare? Chi fa, chi ci si può fare? Chi fa? Ci si può fare. Magnifique. Maintenant, on va enchaîner avec une Fortunato. Fortunato, oui. Fortunato, c'est une chanson particulière. C'est une vieille chanson. Je l'avais proposée à Francis Cabrel, qu'il avait chanté sur l'album précédent avec Petre Guelfouch. Et Petre Guelfouch me disait, j'adorerais chanter avec Francis Cabrel un jour. J'en ai parlé à Francis, je lui ai fait écouter la chanson, un petit peu dépoussiérée, la chanson, un petit peu remise au goût du jour. Et Francis m'a dit avec son accent, franchement, cette chanson, elle est terrible. Et là, j'ai fait, waouh, un sourire. Et donc, il a embarqué, et on va vous faire un petit bout de cette chanson. On y va. Aspect, Antoine. Au village. Au village. Il y avait une fille, la plus belle des filles. Tous, ou presque, nous en étions amoureux. Bella come un fiore, bella e amorosa. O più chi s'ha innamorato e quella di do li doti tanto allegri scimmisceno li zitelli, ma di là franche tiara e oso uno i quelli. Maintenant, on va écouter un petit peu d'une chanson de vous, Antoine, le prisonnier. C'est vous qui avez écrit cette chanson. Eh oui, et c'est la chanson que me chantait ma mère souvent le soir. Alors, il n'y avait pas spécialement de lien dans la chanson, il n'y avait pas spécialement d'histoire commune, mais cette chanson a bercé toute mon enfance et c'est le départ de tout, en fait. Cette chanson qui m'a dit un jour, voilà Patrick, t'es missionné, après t'avoir parlé tant de temps, t'es missionné, et tu vas dans ta vie, le jour où ça sera légitime de le faire, ben, faire ce corso mezzo mezzo 1 et 2. Et donc Antoine, c'était pour toi. Je voulais juste te chanter un petit bout de cette chanson-là. J'ai quelque chose à dire. Danny Revel et Martin Lorenzi m'avaient offert cette chanson en vue d'un enregistrement futur. Et seulement, Martin ne parlait pas corse et Revel encore moins. Alors on m'a dit, mais le refrain, comment on fait? Je dis, alors c'est quoi? Le prisonnier. Son prigionato, mamma sinemore, perdonami, oh mamma, di vatti tanto male. Je suis emprisonné, ma mère se meurt, pardonne-moi, maman, de te faire. C'est une histoire vraie. C'est pour ça, peut-être qu'elle traverse le temps. Qu'elle traverse le temps, installée dans nos mémoires, et sans prendre aucune ride, parce que c'est une histoire, une de ces histoires de la vie. Un monsieur qui est en prison et sa maman se meurt.
Tout à fait. Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne a l'air si triste. Lorsque toi tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur, et je t'attends chaque fois à croire que maintenant tu sais lorsque c'est l'heure. Sombre di un altro e mamma si ne muore, perdonami o mamma, diva di tanto male. Bravo, bravo. Merci Patrick. Merci Francine. Je vais rajouter que depuis, cette chanson a été enregistrée, Le prisonnier a été enregistré en 1965, et depuis, elle termine toujours mes spectacles, depuis ça fait 60 ans passés, et toujours avec autant d'émotion. Voilà. Merci beaucoup, cher Antoine.